Ta gueule, Xilo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Skill PVP. On se retrouve aujourd'hui, ben, on commence l'épisode directement. Je pense qu'on va faire un épisode full don, genre le plus gros épisode de toutes les dons des abonnés pour ce petit retour. Parce que, ben, comme vous avez vu, on n'a pas vraiment du stuff en ce moment. Ça va de un nous aider de ouf. Puis aussi, ben, on aura du stuff un peu pour jouer, etc. Tirek, ouais. Donc, aussi, Xilo aura son grade YouTuber. Sûrement bientôt, ou grâce à un de vous, les amis. Faut juste que vous allez voir la chaîne avec Xilo. Il va faire aussi un let's play sur sa chaîne. Je vais être dans ses vidéos. Oh! Gros, il m'a donné un pantalon space. Projectile protection 2. Il y a un gars qui veut nous inviter. Ok. Aïe, aïe, aïe. C'est projectile protection 2, mais... Comme on dit dans le milieu, c'est mieux que rien, mec. Merci beaucoup, mon ami Red Kids. À la prochaine. Okay, donc, je disais... si vous vous abonnez à la chaîne d'Exilos, vous allez pouvoir voir des vidéos différentes de ce que moi je fais. Par exemple, moi je fais un let's play, ben après qu'on a fini de faire un let's play, ben on va en faire un spécial pour la chaîne d'Exilos. Comme ça, ben Exilos il pourra... La différence, ça sera mieux à regarder quoi. Ouais, ça va juste être comme si vous allez avoir deux épisodes, je vais toujours être avec Exilos, etc. Ça va vraiment être cool. Si vous aimez mes vidéos, ben vous allez aimer les vidéos d'Exilos vu qu'il est un peu plus homosexuel que moi, donc voilà. Sur ce, Bouillard avait été mort. Un don pour nous! Oui. Voyons voir c'est quoi son don, les amis. Ok, le gars il dit rends-moi le plastron ou bam! Il utilise ses pouvoirs de modérateur. Non, oh, il est modérateur? Ouais, modérateur joueur. Il dit rends-moi mon plastron. T'as 10 secondes, mais je te jure! Vas-y, mec, fais les. En plus, c'est le gars qu'on s'est fait. Légit QC? Non, c'est les gars qu'on s'est fait. Qu'on a fight contre lui. Ben, que moi j'ai fight contre lui dans le dernier épisode. Il s'appelle Woojack. Woojack. Merci, Bouillant. Ça fait plaisir. J'ai un cadeau aussi pour toi vu que c'est Noël, les amis. Tiens. Bisous. Oh okay. Mon dieu, les gars, on vient de me donner des items en space, les amis. 3 items en space. Merci beaucoup, les amis. Merci. Wouhou! Les amis, il y a ce gars-là qui nous a donné aussi des bots space. Donc, voilà, on a des bots space P4, on a des bots space P3, oh, je pense qu'on a un livre à la base en plus, mec, Xilos. Attends, ah bon? Attendez, je pense qu'on a un livre P3 à la base, je suis pas sûr, je n'avais vu un tabac. Hey, bon, il me spam, lui. Char. Je pense, attends, j'en avais vu un ici. Oui. Y'en a un. On peut même le faire Unbreaking 3. Attends, je me mets des niveaux, Xilos. Oh my god, Xilos. On aura presque un full space. Truc de fou, les amis. Oh, t'as fait une table d'enchant. Super, je suis fier de toi. Non, oh my god, les amis, on se retrouve pour un don! De Xilos. Ouh. 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 Mec, il m'a donné un punch 2. Mais y'a pas Infinity. Donc, on va acheter un truc Infinity. Puis, on va se le prendre après. Une donne aussi, une Sharpness 5. Mettez. Oh my god. Oh my god. Merci, mec. Je vais lui dire un gros merci. Oh my god. Merci. Oui. Tiens. 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 Merci, mec. Ça fait super plaisir. Merci beaucoup, mec. Bisous. Donc, on va aller... on va aller mettre nos trucs en... ici, là. Comme ça, ici. On va mettre... c'était nos bots. On va les mettre P3. Oh, ça coûte 3 niveaux. On va les mettre les 3 ici. Ouais, je suis au spawn en ce moment. J'ai 2 paires de bot space. Est-ce que tu penses que je devrais en vendre une paire? Vu que... Enfin, non, garde. Parce que j'en ai pas besoin de 2 paires. Donc je pourrais peut-être les vendre. Mais les P4-3 alors. Ben, je les ai mis P4-3 déjà. Bref. Et est-ce qu'il paraît, ce gars-là, il y avait un don? Oh! 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 Du cannabis! Une skill pickaxe! Efficacité 5! Merci! Merci, mec, ça fait plaisir. Merci. Je vais te donner mon épée. Tiens. C'est Noël, il faut donner au suivant. Oh, et un petit joint pour te fumer une bonne... La bonne herbe, mon frère. Oh, salut, mec, ça va? Oh non, il y a quelqu'un qui m'a TP ici, les amis, pour un don, mais... Ça m'a l'air pas très, très Charlie. Il va me tuer, ça. Je le sens. Ça sent pas bon, les amis. Est-ce que j'ai des choses importantes? Non, mais je vais prendre des potions dans ma hotbar, comme ça, on peut se combattre contre les méchants, les amis. C'est très important de se combattre contre les méchants. Il dit, attends, sur ta dernière vidéo, PVP, P4, U3, Space, what? Oh man, lui, c'est un abonné fidèle. Il s'en souvient, fucking, man.
Je suis un abo fidèle. Il va me tuer, je le sens là. Yo. Je le savais tellement en plus. Je le savais tellement. TP kill. Pas gentil ça. Ça c'est pas gentil du tout les amis. Hein. Là moi je suis triste. Bye clean. What the fuck? Oh! Je voulais pas faire ça mec. Je suis désolé, tiens. Je voulais vraiment pas faire ça, je m'excuse. Il y a un gars qui m'a TP dans un truc du Nether. Je pensais que c'était genre dans le Nether en fait. Mais en fait c'est dans une mine. Ouh, stylé mec. J'aime bien le concept. J'aime bien le concept. C'est un champ de virus du Nether. Le gars c'est comme ça qu'il doit faire de l'argent. Tiens. Oh. Merci mec. Merci. Merci copain de l'internet. Ça fait plaisir. Je vais lui envoyer un petit message. Bye. Et merci. On t'a TP kill. Ouais, bah t'inquiète, c'est pas grave, mec. Rejoins ma fac. Non, je suis sans faction, mec. Bisous. Yo, les gars, on se reprend. Donc, il y a Ice Sweet Nose. Il m'a dit yo, tu vas peut-être être content, j'ai un don pour toi et tout. Ok, pourquoi tout le monde a des bases en mode Noël pas Noël, Nether. C'est sa base au moins. Non, c'est pas sa base, je pense. Non, je pense pas que c'est sa base. Oh, go, celle des champs du sud. Non, tu m'as tué, mec. Moi, je te parle plus. Je vais le bloquer. Bloc. Skyfox. Ah, oh, c'est pas une commande, ça, c'est une. C'est pas une ignore. Skyfox. Vas-y. Bon. Donc. Prends ce qui t'intéresse. Ouh. Ouh, il y a peut-être des choses qui m'intéressent. Ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse pas trop. Ça, c'est toujours intéressant. Mec, y'a un gars qui m'a TP. TP toi. Merci pour la pièce à spawner, mec. Ça, je pense que c'est bon. On peut les changer contre des spawners. Prends des trucs qui t'intéressent. Le gars, il a dit qu'on pouvait. Ah, ben là, je peux pas. Je suis en combat, attends. Ah, ça, c'est vraiment dommage. Oh, j'ai une table d'enchante. GG, mec. Je peux pas, faut que j'attende 9 secondes. Un four en urite, ça fait penser à. Ça fait penser à d'autres trucs. Ah, oh, ça c'est une bonne. Ça c'est bon, mais je veux pas lui voler. J'ai pensé à ce que t'as pensé en four. On prend tout ce qu'on veut? Bah, il a dit de prendre tout ce qui nous faisait plaisir. Mais tu sais, les du stuff, tu sais, on n'est pas des bâtards, tu vois. Mais s'il livre. Je pense pas qu'il livre, mais il veut juste nous donner des trucs en fait. Et ben je regarde ce qu'il y a, ça m'intéresse pas trop vers ça. Ben moi j'ai déjà pris un peu de potions et une table d'enchant vu qu'on en avait pas. J'ai pas pris des gros trucs tu vois, mais juste des petits trucs, je veux pas tout lui prendre ces trucs non plus. Ça par exemple, prends les livres Sharpness 3, puis les livres parce qu'en fait on a des épées non enchantes en TNT, je vais prendre le coffre aussi. Ouais, je prends des potions. Attends, j'en avais vu des livres ici, Les livres frais. Attends, ah oui c'est là. Non. Non, c'était pas là, c'était où? Sharpness 3. Ça, je prends ça comme ça, on va pouvoir faire des, nos épées en méta. On va pouvoir les mettre genre en Sharpness 5. Puis fucking les vendre après, ça va nous faire du profit. Qu'est-ce que t'en penses? Prends les potions de heal aussi, ça va nous sauvegarder de là-dessus. Ouais, c'est ce que je fais. Oh, il y a des flèches partout aussi. Prends-en. Oh, du bois, ça c'est toujours pratique. La petite obsidienne, c'est bien ou quoi? J'ai aucune idée, man. Prends pas. On a pas de besoin, on fait même pas de base. Merci, gros. Yo! What the fuck? Ok, c'est toi ou c'est lui qui a lancé des potions? Oui. Ça peut être un hoax, peut-être qu'il va nous enculer après. Maybe un dumb. Je pense qu'il y avait des machines à potions, ça a l'air d'être des coffres à machines à potions, ça tu trouves pas? On va lui dire. C'est quoi son pseudo? Message tiré du bas. Swix, merci beaucoup. Dis-lui merci beaucoup. Ça c'était mon ancienne machine à potes. Ouais c'est ça, je savais tellement que c'était une machine à potes, dude. Oh my god, je suis trop pro à Minecraft, c'est pour ça. Ok, il y a lui qui a dit de se TP Angry, quoi. Je suis là, coucou. Il a dit qu'il était un grand abonné fidèle. Oh, ça c'est bon. TP toi pour screen. Ok, j'arrive. Non, je te vois pas. Ah, je suis là, regarde.
Oh, il me donne PubSheet, une épée en météore, Fire Aspect 2, c'est bon ça. Un livre Oxybus. Trois creepers. Du titacite. Merci mon ami, ça fait plaisir. Scream, bien sûr, merci mec, ça fait plaisir. De Angry. Merci, jeune homme. Ça fait plaisir. Oh, il m'a aussi donné un météore! What? Ça, je n'avais pas vu le météore, par exemple, pour être franc avec vous. Holy fuck. Thanks, buddy boy. Thanks. Ok, les gars, on se reprend. Il y a Frelsi qui a un don, je crois. Ou je sais pas. Peut-être qu'il va le troll. Turek. Message fréquent. Oui. Donc. Mesdames et messieurs, qui a enlevé son full space. Va-t-il le droit, mesdames et messieurs? Telle est la question. Ah, il l'a mis dans son honor chest, je crois, les amis. Ah, c'était un prank. Merci, jeune homme, pour la météorite. Ça fait plaisir. Je vais lui dire, friends, merci. Merci beaucoup pour ton armure. Bisous, à plus dans le bus. Vous vous souvenez, il y a un abonné qui nous avait donné une épée en météore Fire Aspect 2. Ben là, j'ai tout mis ça ensemble avec les livres que j'avais eu dans le truc de l'autre. Donc au final, ça nous donne. Oh, ça, les je vais le garder. Ça, par exemple, les bateaux, on s'en fout un peu, tu sais. Les flèches, on va garder. Ça, on va garder. Ça, c'est super bon comme pioche. Peut-être on pourra la revendre un jour contre de la monnaie. Mais pour l'instant, on a ça. On a. Là, il faudra travailler sur notre P4 en space. Fait que, oh, j'ai des stacks de trucs. On pourra peut-être essayer d'enchanter un livre niveau 30. Mais bon, je sais pas. Je sais pas. Je le sens pas. Pour être franc avec vous, je le sens pas du tout. On va mettre notre météore, oh, notre météore ici. On a quoi dans notre skill chest? On a. Ben là, on en a plus besoin. Oh, attends. Peut-être que oui, on va en avoir besoin. Peut-être pour l'autre truc. C'est ça le petit souci. Je pense qu'on va en avoir besoin. Ensuite, TNT, ça, on va tout ramener ça à la base. Et puis voilà. Je vous prends pour un autre don tout de suite après. Il y a quelqu'un qui m'a tapé ici pour un don. Mais, je sais pas, il est parti, là. Ça doit être sa place pour faire ses potions. Turek, oui. Donc, c'était justement ce gars-là. Mais il m'a tapé ici, je sais pas pourquoi. On va être gentil, on va lui donner un kit druide. Je vais lui donner tout ça parce que je suis gentil. Il m'a donné un full P2, P3 en sélénium et puis un casse en space. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mec. Merci. Bisous. On se retrouve pour un don de LQTS. Il nous donne des potions. Ça fait toujours plaisir. Merci, mon ami. On va lui écrire LQD. Merci, jeune homme. On se retrouve, les amis, pour un don de Rayon. Rayon a dit qu'il y avait un don. Donc, je me suis tapé à lui. C'est quoi, c'en est où en ce moment? Ok, il peut pas me tuer. Hey. Ça marche toujours pas. FC. Non. Message sur non. Toujours pas. Salut Rayon. Tu rec ou pas? Oui. Oui, j'y rec. Toujours le beau dans les amis. Quatre pommes cheat, des pommes d'or, une épée. Ouh! Ça, c'est le meilleur don que j'ai eu depuis longtemps, les amis. Ça fait plaisir. Jesus Christ. Merci, jeune homme. Rayon. Message Rayon. Merci beaucoup. Les gars, on a un stuff pour aller PVP tout de suite après. Donc, on va sûrement faire une petite séquence PVP pour terminer cet épisode. J'ai envie de rajouter un peu de pépé dans toute chacune des mes épisodes que je fais. Pourquoi? Pourquoi pas? Tu sais, j'ai envie de dire.
Ça peut être intéressant, puis autant pour vous que pour moi, quoi. Puis parce qu'en fait, vous savez qu'à chaque fois, vous allez avoir mon stuff parce que je meurs tout le temps comme une merde. Mais bon, ça c'est une autre histoire, très triste. C'est quoi ici? Laisse travailler les esclaves tranquillement. What the fuck? C'est genre de prison? J'aime bien le concept, j'aime bien le concept. C'est mon YouTuber préféré. Merci, ça me fait chaud. Ah, ok, juste le Minecraft, tiens. Il y a pas dans tous les YouTubers, ok. Parfait. Non, mais c'est bon. Je suis triste alors. Bye. Oh, ben, j'étais à AFK ici, dans le coin. Il est venu nous redonner du P4. J'ai mis mon armure. Puis j'étais à AFK, je me préparais, tu sais, pour aller faire un PvP, etc. Puis il nous a donné un stuff. Ben, on va avoir dans le fond deux stuff. Ça, c'est cool. 8 juin, 4 pommes cheat, on devrait en avoir assez. Ça, on devrait en avoir assez. On va placer notre inventaire vite fait comme ça. Il nous donne un quoi? Un Arc Punch Infinity! Oups. Message, Ryan. Merci beaucoup, mec, ça fait plaisir. Yo les gars! On va s'apprêter à les pipi. D'ailleurs, ça fait plaisir ce genre de message-là. Merci, jeune homme. J'étais en train de regarder le chat, j'avais pas vu. J'étais pas en train de regarder le chat, et là, je viens de voir. Donc, je me suis pris un full Stacite en rechange, en plus de juste un autre avec des bottes. C'est tout du 3. Ils viennent juste de nous le donner, fait que ce serait triste qu'on le perde. Donc, il y en a un qui fait un giveaway là. J'ai pris une de mes épées en Météore qui était à la base, mais je pense que je vais garder la Looting 3, puis oh, je sais pas. J'en ai une autre ici, mais avec Fire Aspect, un Looting Fire Aspect, c'est pas super bon. Fait qu'on va prendre juste ça. Comme ça. J'ai pris 8 joints, l'arc que l'abonné nous avait filé juste avant. 8 punchy, je pense que ça va être assez. Allons-nous amuser. Je vais aller lui dire bonjour. Ouch! Allez, c'est tabarnak, fais-moi pas chier, toi. Parfait. Bon. What the fuck? Ok, attendez un instant. Je vais juste changer des options. Voilà. Ok. Lui, il est full space encore. Whoop-a-lay. C'est pas un gars qu'on a fight hier, ça? Oh wow, je me suis fait debuff lui aussi. Pas gentil ça. Pas très gentil ça. Je vais essayer de team avec lui pour tuer toutes les petits no stuff qu'il y a là. Oh wow. Il s'en fout de lui, les gars, il est space, mais il s'en fout. Non! C'est pas bien de me focus. En plus, je viens de me réveiller, genre. Attends, je vais vous le dire sur mon téléphone. Il est 5 h du matin. Lol rip. Vous pouvez maintenant reprendre un joint. Super, merci de me l'annoncer. Ok, pourquoi à chaque fois que je viens en Warzone, c'est tout le temps la mort? Genre, il y a tout le temps plein de choses qui se passent. Genre, oh, ça j'en ai pas besoin. Ça j'en ai pas besoin. On va se boost. Viens-t'en. Ah ouais, viens-t'en. 1v1, je suis capable de te prendre, toi. Viens-t'en, viens-t'en, mon beau. Ah ouais, mais tu retournes voir tes amis. C'est pas gentil, ça. Ok, c'est bon. On est tout seul, je peux te fight. Pas de soucis. Il va sûrement gagner. Il a une meilleure armure que nous, comme d'hab. Mais c'est pas grave, les amis, parce qu'on est là pour s'amuser, hein, les amis. Le but dans Minecraft, c'est de s'amuser, vous le saviez. Le but, c'est vraiment juste d'avoir du plaisir. Si vous avez pas de plaisir, faut arrêter le jeu. Parce que, enfin, genre, comment vous expliquer? En gros, si vous avez pas de plaisir, vous allez rager, ok? Et rager, c'est pas cool. On va juste lui foutre. Oh, qu'est-ce qu'il fait? On va prendre une petite pomme aussi. C'est une bonne idée. Je pense qu'il nous met plus de coups, puis son armure va broke beaucoup après nous.
Parce que il y a du space. Mais par exemple, ce qu'il sait pas, c'est que j'ai un deuxième armure de rechange. Peut-être que lui aussi en a un deuxième en vrai. Donc c'est peut-être là que nous on va mourir. Même si on perd ce combat, c'est pas grave. Au moins je vais essayer juste de lui demander s'il veut pas me redonner mon arc. Parce que c'est le seul truc important que j'ai sur moi. Après, il peut tout garder le reste. Je pourrais même lui donner 10 000 $ pour. Je pense que ça vaut environ 10 000 $ un arc comme ça. Je suis pas 100% sûr, par exemple. On va vite fait changer ça, ça et ça pour quand même garder l'avantage sur lui un peu. Il sait pas qu'on a déjà changé d'armure. Fait que ça se peut qu'il a. Boom! Je suis pas super bon PP, les amis. Hein. Je suis très, très, très mauvais au PP. Si vous avez des suggestions pour m'améliorer, je suis preneur. Je sais pas que. Genre. Faudrait peut-être que j'enlève le chat parce que c'est commence à être énervant. Genre, vous trouvez pas que c'est fatigant, vous, le chat, quand il passe par-dessus vos cœurs? Moi, je trouve ça fucking énervant. Attendez. On va aller dans options du chat. Ah, c'était même pas ça. Tabarnak. Attends, stop, 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 mec. Je peux-tu juste régler mon chat, s'il te plaît? Je viens juste de revenir sur le launcher. Attends, stop. Je veux juste enlever mon chat. C'est-tu comme ça? Non, c'est pas comme ça. C'est quoi, Chris? Ah, c'est ça. C'est bon. Cool. Bon. Ouf. Je voulais juste régler mon chat, mec. Désolé. Parce que, tu sais... Comme ça, maintenant, je peux voir bien mes cœurs, etc. On voit plus trop le chat, fait qu'on peut plus, on peut juste être concentré sur le combat. Combat qui est quand même assez intense. On réussit à le descendre assez loin à chaque fois. Mais je pense pas qu'on va... Ouais, c'est ça. Il est quand même pas si mal au PP, le gars. Hein. Il se débrouille quand même vachement bien. Il a un petit peu plus de talent que nous, parce que nous, bon, vous savez, je joue pas tellement beaucoup en PP. Surtout dernièrement, les amis, je fais vraiment pas beaucoup de PP. Genre, vraiment, mais vraiment pas. C'est genre... abusé à quel point j'en fais pas. Je veux dire, vous avez jamais vu quelqu'un jamais PVP comme moi. Seul épisode que j'ai fait du PVP dernièrement, ben, en fait, j'en fais tous mes épisodes de Aberfight. Qu'est-ce que je veux dire là? Skill, mais... Oh, what? Un petit combo qu'on était là. Le gars, on nous avait mis dans un petit combo. Il devient low à chaque fois, genre, comme ça, tu vois, il est fucking low. What the fuck? Il est pas mauvais, il est pas mauvais, le jeune homme. Il est pas mauvais. Mais il est pas le meilleur non plus. Je pense qu'on a une chance, les amis. Ça va être dur, mais je pense qu'on a une chance. Si on contrôle bien nos potes, là, on devrait être bon. Parce que si on prend pas deux potes à chaque fois, puis on prend une pote à chaque fois, on devrait vraiment être bon. On peut sûrement le faire quick drop aussi. Je trouve qu'il se heal quand il reste seulement 3 coeurs. Donc ça peut être... un point positif pour nous. Là, on l'avait dans un petit combo, là, vite fait. Pas autant que lui nous avait mis tantôt, mais un petit quand même. Whoop-a-lay. Son armure, en plus, après, il prend beaucoup moins de dégâts que nous. Oh, on l'a poussé de ses potes! Ah, on l'avait poussé de ses potes, les gars. On va faire un petit heal, on va se reprendre des potions. Il est bon, il se débrouille bien le petit gars, il se débrouille bien, il se débrouille bien. Il est pas mauvais au PVP, moi je suis très mauvais, donc voilà. Whoop-a-lay. Quand mon casque va être genre vers 5%, je vais le changer. Oh, 21. Comme là, genre, on va le changer. Whoop a lay. On a aucune chance de survie, les gars, mais... Si je pense que l'armure en space, genre... Surtout les bottes, puis le casque, c'est ce qui casse le plus vite, normalement, tu sais. Parce que regardez son plastron, puis regardez mon plastron. Enfin, je l'ai changé, là, quand même, mais il est quand même à 34%, donc... Je pense que le sien, il doit être, genre, environ à 10... Environ une dizaine... de pourcentage, à moins que lui aussi ait un armure aussi. Ce qui se pourrait, les amis. Hein. Je garde la possibilité que lui aussi ait changé d'armure. C'est fort probable, les amis. En espérant que ça soit pas trop le cas. Il a pris une pop cheat ou quelque chose là, parce que là, il prend plus de dégâts. On va reprendre un joint. Ah ouais, il avait pris un joint, ça donne regen 4, je savais pas. Donc,
Le fight est dur, ça fait plus que 8 minutes que le fight est dur. Il vient-tu de prendre le punchy pour de vrai? Je pense qu'on est capable de le drop, les amis. Ses pantalons ont broke. Ses pantalons ont broke, il a pas l'air d'en avoir des nouveaux. Yes, on l'a eu! GG. Oh my god! Oh my god, les gars, je pensais jamais qu'on allait l'avoir. P4U3, oh my god, les gars, je pensais jamais l'avoir. Oh mon dieu, les amis. Je suis tellement content, vous avez pas idée à quel point j'étais sûr que j'allais pas l'avoir. Truc de malade. Au moins, ok, franchement, là, si vous voyez ce gars-là, dites-lui GG, man. Il a pas back, il a vraiment. Il a joué super legit avec nous. Il nous a. Il était super, super sympathique. Donc, si vous le voyez, faites-lui savoir qu'il était vraiment. Vraiment sympathique. Wow, les amis. Wow, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vous avez pas idée à quel point ça fait plaisir de gagner un combat comme celui-ci. C'est juste incroyable, les amis. Nos armures sont à fixe, par exemple. Hein, on va pas se le cacher. On va faire ça. Fix all. Et voilà, on va vite fait. Fait qu'aucune... On a bien réussi à gérer notre... Notre système d'armure, etc., je trouve. Parce qu'on a réussi à garder pas mal de trucs jusqu'à la fin du combat. Donc, what? Il y avait une skill pickaxe sur lui? Ok. Ça, c'est bon. Oh my god, les gars. Ben, GG à lui. Je veux quand même le féliciter, Neox. C'était-tu lui qu'on avait fight? Attends, c'était-tu... Oh, je sais plus si c'est lui qu'on avait fight. C'était le Focus Edge. C'était ça? Ouais. Attendez, on va... Là, j'ai tout niqué mes contrôles de chat. Oh my god. C'est okay. C'est ça que je voulais. On va le mettre un peu plus par là. Le scale, on va le mettre comme ça. Ah, voilà. Ok. J'espère que la vidéo vous a plu, les amis. Si vous avez écouté la vidéo jusqu'à la fin, laissez un pouce bleu et un commentaire en disant GG à la personne qu'on a fight parce qu'il a vraiment bien joué. Il était super bon PVP. Je pense que si lui avait un deuxième armure, on serait mort. Mais bon, un gros GG à lui. Au moins, il n'y a pas barre qui a joué le combat correctement. Je vous apprécie vraiment ça. On se retrouve très bientôt, les amis, pour une nouvelle vidéo. C'est Tycoon. Ciao!